Bonjour, nous allons évoquer aujourd'hui la vie tumultueuse de Jean Andoche Junot, général d'Empire, surnommé La Tempête, et la vive amitié, pour ne pas dire l'amour, qu'il porta à Napoléon. Il était l'époux de Laure Permont, duchesse d'Abrantès, qui nous a laissé de savoureuses mémoires historiques sur Napoléon Ier et qui vécut mal cette véritable passion. Depuis le début de cette année 1771, le comte de Buffon, le grand naturaliste, se partageait entre Paris, où il administrait le jardin royal des plantes, et la maison paternelle de Montmartre, sa ville natale, en Côte d'Or, qu'il avait fait agrandir pour la transformer en hôtel spacieux et confortable. Là, il se consacrait entièrement à l'histoire naturelle, laissant M. Michel, son fermier fidèle, s'occuper de ses terres. Au fil des années, M. Michel était devenu un bon bourgeois. Il était passionné par les livres de et Buffon le faisait généreusement profiter de sa magnifique bibliothèque. Mais son rêve était d'en posséder le plus possible. Il en faisait donc venir en grande quantité, de toute l'Europe. Toutefois, s'il avait de l'aisance, comme l'on disait alors, il ne jetait pas l'argent par les fenêtres, et il était économe. En apprenant, ce 24 septembre, que venait d'être instaurée une taxe de 60 livres par quintal sur les importations de livres français et latins, il avait explosé. Mais il retrouva son sourire aussitôt rentré chez lui, dans sa maison de la petite commune de Bussy-le-Grand, connue surtout pour son château de style Renaissance, aujourd'hui classé monument historique, et dont le plus célèbre propriétaire fut le comte Roger de Bussy-Rabutin, écrivain épistolaire, cousin de la marquise de Sévigné. S'il retrouva le sourire, c'est parce que son médecin de famille lui apprend que dans son foyer, la naissance était imminente. Et effectivement, quelques heures plus tard, son épouse, Marie-Antoinette Junot, donner naissance à Jean Andoche, un prénom curieux qui était celui d'un saint, martyr à Saulieu, en Bourgogne, au IIe siècle, dont le jour de sa naissance était la fête. Michel Junot, son père, souhaitait qu'il fasse des études de droit. Après avoir terminé ses études au collège de Châtillon-sur-Seine, où il connut Auguste Marmont, futur maréchal d'Empire, qui devint son ami, Andoche étudia ensuite à Dijon pour être avocat. Mais quand éclata la Révolution française, il s'engagea dans l'armée, dans le bataillon des volontaires de la Côte d'Or, où il eut pour chef le malheureux Claude-Joseph Cazotte, mort héroïquement lors du combat de la Grisuelle près de Maubeuge. Dans ce même combat, Junot reçut sa première blessure dans la tête, causée par un coup de sabre. Devenu rapidement sergent des grenadiers, il participe en décembre 1793 au siège de la ville royaliste de Toulon, occupée par les Anglais. C'est là qu'il rencontre pour la première fois un jeune capitaine d'artillerie, un certain Napoléon Bonaparte, venu de Paris pour diriger, sous les ordres du général Carteau, les opérations du siège en ce qui concernait l'artillerie. Bonaparte demanda à l'officier de poste, un jeune sous-officier qui eut en même temps de l'audace et de l'intelligence. Celui-ci appelle aussitôt un jeune sergent à l'esprit judicieux et qui était fougueux et tempétueux comme un jeune taureau, au point que ses camarades le surnommaient « la tempête ». « Tu vas quitter ton habit, lui dit Bonaparte, et tu iras là porter cet ordre.
il lui indiquait de la main un point plus éloigné de la côte et lui expliqua ce qu'il voulait de lui. Le jeune sergent devint tout rouge comme une grenade. Ses yeux étincelèrent. « Je ne suis pas un espion, » répond-il aussitôt. « Cherchez un autre que moi pour exécuter votre ordre. » « Tu refuses d'obéir ?» lança Bonaparte d'un ton sévère. « Sais-tu bien à quoi tu t'exposes ?»« Je suis prêt à obéir, » dit Junot, « mais j'irai là où vous m'envoyez avec mon uniforme ou je n'irai pas. C'est encore bien de l'honneur pour ces Anglais. » Bonaparte ne put s'empêcher de sourire, même s'il voulait rester sévère. « Mais ils se tueront, » reprit-il. « Que vous importe ? Vous ne me connaissez pas assez pour que cela vous fasse de la peine, et quant à moi, ça m'est égal. Alors, je pars comme je suis, n'est-ce pas ?» Comme Bonaparte acquiesçait de la tête, il s'écria en riant, « Bien ! Avec mon sabre et ces dragées-là, du moins la conversation ne languira pas, si ces messieurs veulent causer. » Et il partit en chantant. Après son départ, « Comment s'appelle ce jeune homme ?» demanda Bonaparte. « Junot. Il fera son chemin. » Et il nota son nom sur ses tablettes. Peu de temps après, se retrouvant à la même batterie que l'on appelait la batterie des sans-culottes, Bonaparte demanda quelqu'un qui eut une belle écriture. Le sergent Junot sortit aussitôt des rangs et se présenta. Bonaparte reconnut ce beau garçon de 22 ans, blond et bien bâti, qui avait déjà attiré son attention quelques jours plus tôt. Junot se mit sur l'épaulement même de la batterie et commença à écrire sous la dictée du jeune général de 2 ans son aîné. La lettre à peine achevée, un boulet éclate à ses pieds et le couvre de terre. « Sont-ils polis, ces Anglais, de m'envoyer du sable pour sécher l'encre sur ma page ?» déclare Junot en éclatant de rire. Bonaparte, qui avait été séduit par son charme et son caractère bien trempé, le fut aussi par sa bravoure et son humour. Cette circonstance décida de la fortune du jeune sergent. Bonaparte en fait son secrétaire permanent, puis plus tard son aide de camp, et il n'allait alors plus se quitter. Dès lors, c'est un véritable culte que le sergent de Toulon va vouer à Napoléon. Le fait qu'il ne se quittait jamais et que dans la mansarde qu'il partageait, Junot se livrait aux tâches ménagères, allait longtemps faire jaser, et les langues vipérines s'en donnaient à cœur joie autour de ce couple singulier et échafaudaient les romans les plus saugrenus. Bientôt, cette passion délirante et exclusive qu'il portait à Napoléon et qui semblait partager, commença à interpeller au sein même de sa famille. Ce qui est sûr, c'est que la fidélité et l'adoration de Junot pour son général confineront vite au fanatisme. De naturel joyeux, Junot s'emportait quelquefois et ses colères pouvaient être homériques. Il avait un appétit phénoménal. Et il lui est arrivé de manger 300 huîtres au commencement d'un déjeuner. Mais son péché mignon, c'était les femmes. Et nous reviendrons plus tard sur sa vie sentimentale. Quelque temps après la bataille d'Arcole, en novembre 1796, Junot, la Tempête, écrira à son père. Nos succès sont incroyables, mon tendre père. Et moi-même qui les vois tous les jours, j'ai presque toujours peine à me les persuader. Nous avons encore battu l'ennemi 2 fois depuis ma dernière lettre. Le bonheur est d'accord avec la bravoure.
nous ne perdons presque personne, et l'ennemi toujours beaucoup. Mais aussi, comme nos troupes sont braves, rien ne peut donner une idée juste de leur courage. L'un de ses meilleurs amis, bourguignon comme lui, s'appelait Nicolas Edme, dit Rétif de la Bretonne, connu surtout aujourd'hui pour son œuvre littéraire. Avec son frère Pierre, Rétif de la Bretonne évoluera du loyalisme monarchiste à la plus virulente dénonciation de Louis XVI et de tous les rois. Mais nous voici arrivés à présent au cours de cette terrible année 1794. La terreur bat son plein à Paris et dans tout le pays. La cité phocéenne, pourtant à l'avant-garde de la Révolution, depuis l'épopée des fédérés, galvanisée par Charles Barbaroux en juillet 1792, s'était révoltée contre la tyrannie des Jacobins et la répression fut impitoyable envers elle. Commandant d'artillerie au siège de Toulon en 1793, Napoléon avait repris la ville aux Anglais, alliés des royalistes et des fédéralistes, et en récompense avait été promu général de brigade. Mais si cette année 1794 fut terrible, avec son cortège de drames et de misères, ce n'est pas seulement à cause de la terreur, c'est aussi à cause d'un hiver précoce et particulièrement rigoureux qui n'épargne aucune région française. La Seine est prise dans les glaces, la totalité du territoire est soumise à un froid exceptionnel, transformant en steppe les plaines de la Brie et de la Beauce, détruisant les oliveraies provençales, anéantissant les récoltes de soie du Gard et de l'Ardèche, gelant les fleuves, bloquant Avignon et Marseille, isolant les villages du Puy-de-Dôme, attirant les loups jusqu'aux abords de Paris, de Lyon et au marché de Versailles et de Saint-Germain, de Sceaux et de Vèze. Un froid plus terrible que celui de 1709 dont la mémoire collective conservait encore le terrible souvenir. Il en résulta des difficultés de ravitaillement, la pénurie sur les marchés. La flambée du prix du pain, qui atteignit 70% du salaire d'un artisan, une montée de la prostitution et même la famine chez les plus démunis. Si Bonaparte avait été nommé général de brigade après le siège de Toulon, Marmont, lui, avait été fait capitaine et il resta affecté au tout nouveau général. Les deux hommes avaient les mêmes origines nobles, le même goût pour les mathématiques et la stratégie. Ses liens avec Bonaparte, comme ceux, qui sait, avec Junot, étaient solides. On peut constater, à cette époque, que de nombreux bourguignons étaient autour de Bonaparte. Victor, Duroc, Marmont et bien évidemment Junot. La situation était très difficile pour tous ces jeunes hommes intrépides dans ce climat de guerre civile, de soupçons et de dénonciations tous azimuts. Mais Bonaparte étant également lié avec Augustin de Robespierre, dit le jeune, le frère de Maximilien, tout se passait le mieux possible pour lui. La chute de Robespierre, de Maximilien Robespierre, en juillet 1794, les 9 et 10 thermidor en deux, allait cependant changer radicalement la donne politique. Au cours de l'année thermidorienne, 1794-1795, pour simplifier l'an 3, et surtout à partir de la chute de l'incorruptible, la Première République change de cap. C'est le retour sur le devant de la scène de ceux qui ont su attendre, s'effacer,
se montrer discret, se taire, louvoyer, et de ceux qui ont pu prendre le vent à temps. En gros, les rescapés de 1789. Pour eux, il s'agit de revenir au pouvoir pour achever la révolution. Ils sont essentiellement préoccupés par la sauvegarde des acquis de 1789 et la chasse aux terroristes robespierristes. Le 9 août 1794, 22 thermidor en deux, Bonaparte est arrêté à cause de ses liens avec Augustin de Robespierre, suspendu de ses fonctions et incarcéré au fort d'Antibes avant son transfert vers Paris. Junot et Marmont sont effondrés. Dans ses mémoires, Marmont raconte que Junot et lui, en compagnie d'un certain Talin, envisagèrent alors de le soustraire de force à l'autorité et de fuir avec lui vers Gênes. L'entreprise tourna court, mais elle en dit long sur l'état d'esprit des jeunes gens. Éloigné par caractère de tous les excès, Marmont avait pris les couleurs de la Révolution sans aucun goût, par attachement et admiration pour Bonaparte, mais aussi, sans doute, il faut bien le dire, par calcul et par ambition. Au contraire, Junot était capable des pires excès, des plus spectaculaires extravagances, de toutes les folies. Et il était encore plus que le sage Marmont prêt à tout faire pour son idole. Bonaparte, de son côté, entendait bien se sortir tout seul de ce mauvais pas. Et comme Junot persistait à vouloir le faire, il le dissuada de tenter quoi que ce soit en lui écrivant. Je reconnais bien tes sentiments, mon cher Junot. Depuis longtemps aussi, tu connais l'amitié que je t'ai vouée. Il me suffit d'être innocent. Ne fais donc rien, tu me compromettrais. Bonaparte multiplia les courriers auprès de Barras, des Thermidoriens, mais aussi de Salicetti, qui finalement le fit libérer le 20 août. À l'annonce de cette nouvelle, Junot est enthousiaste et va se jeter dans ses bras en sanglotant de joie. Bonaparte, toutefois, tempère aussitôt son enthousiasme. Ah, certes, il est libéré, lavé de tout soupçon, mais il reste en semi-disgrâce, sous les ordres du général Dumerbion. Et il finira par être nommé au commandement de l'artillerie de l'armée de l'Ouest. Mais, considérant cette nomination comme injuste, il décidera de partir pour Paris en emmenant avec lui, sans ordre régulier, ses deux plus fidèles compagnons, Junot et Marmont, qui abandonna pour le suivre son poste dans l'armée des Pyrénées, mais aussi son petit frère Louis, dont il faisait l'éducation. Leur voyage n'étant pas officiel, c'est séparément que Bonaparte, Junot et Marmont partirent pour Châtillon, où ils se retrouvèrent chez les parents de Marmont à la mi-mai 1795. Les Marmont reçurent avec empressement ce petit général Bonaparte, pourtant peu reluisant avec ses cheveux mal peignés et sa redingote élimée. Mais le 21 mai, celui-ci recevait une bien mauvaise nouvelle. Il était mis à la retraite, en demi-solde. C'est donc une bien curieuse équipe. Une sorte d'équipe de branquignoles qui se mit à marcher pour Paris, avec un retraité, un petit sergent exalté adolescent et deux déserteurs. À leur départ, Nicolas Edme leur glissa un paquet d'assignats et une poignée d'or dans la main de son fils, et le père de Junot fit de même avec son fils. Arrivé à Paris, le 25 mai, Bonaparte est immédiatement destitué de son commandement par Aubry, tout puissant dont
les comités de la Convention. Notre fine équipe se retrouve donc dans la capitale, sans but et désemparée. « Nous voici donc à Paris !» écrira plus tard Marmont. « Bonaparte sans emploi, moi sans autorisation régulière, et Junot, attaché comme aide de camp à un général dont on ne voulait pas se servir, logé à l'hôtel de la Liberté, rue des Fossés-Montmartre, passant notre vie au Palais Royal ou au spectacle, ayant fort peu d'argent et point d'avenir. » Cette période de misère et de rapine marquera à jamais Bonaparte, qui saura toujours être indulgent avec ses anciens compagnons, et tout particulièrement avec Junot. Tous vivaient alors grâce aux subsides envoyés par les pères de Junot et de Marmont, et ils profitaient des repas pris chez la citoyenne Permont, mère de la future générale Junot. Ou bien encore, ils allaient au théâtre grâce aux billets de faveur que leur procurait un ancien condisciple de Bonaparte à Brienne, Louis Favelet de Bourrienne. Mais la situation empire au fil des jours pour Bonaparte, qui n'a même plus un toit. Junot lui offre alors l'hospitalité dans sa pauvre chambrette sous les combles qu'est Conti. Les deux jeunes amis vivent plusieurs mois dans un état de dénuement extrême. Le quotidien de Junot est concentré essentiellement sur le service à la personne de Bonaparte. Comme en 1793 à Toulon, il s'occupe de tout, du ménage, des courses, du lavage du linge et des soins corporels de Bonaparte. C'était véritablement l'homme à tout faire. Et lui, pourtant si versatile et indiscipliné, excellait dans ce rôle qui prenait presque une dimension mythique. Servir Bonaparte, c'était le summum de la félicité. Il lui vaut une admiration et une passion exclusives. Bonaparte hante les ministères et le comité de salut public à la recherche d'un emploi. C'est alors qu'il est dépêché pour mater une rébellion royaliste contre la Convention. Cet épisode marqua un tournant décisif dans sa carrière. Après avoir sauvé la Convention de ce soulèvement, le 13 Vendémiaire en 4, 5 octobre 1795, la fortune commence à lui sourire. Il est nommé général de division par Barras, le roi du Directoire. Le 9 mars 1796, il épouse Joséphine, veuve du vicomte de Beauharnais et maîtresse de Barras. Junot est ulcéré et ne dissimule pas son hostilité à la créole qui lui vole son ami. Bonaparte n'a guère le temps toutefois de profiter de sa lune de miel. Deux jours plus tard, il part pour Nice prendre le commandement de l'armée française, dite d'Italie, chargé de combattre les adversaires royalistes européens de la République française. Comme l'usage voulait alors que les militaires partent en campagne sans leurs épouses, voilà donc notre Junot de nouveau seul aux côtés de son général. Ah, son bonheur est complet. Il est absolument ravi et il participera avec lui à la victorieuse campagne d'Italie. À Nice, quartier général de l'armée d'Italie, a lieu la première rencontre de Bonaparte avec Berthier, dont la collaboration, fondée sur une répartition des rôles, le commandement et la gloire pour Bonaparte et l'exécution des ordres pour Berthier, dura 18 ans.
Malgré l'infériorité numérique de ses troupes, et surtout en dépit de leur état de délabrement maximal, certains soldats n'ayant ni chaussures, ni vêtements corrects, et n'étant pas payés depuis longtemps, le nouveau général en chef parvient à rallier à son panache les plus sceptiques de ses subordonnés, Masséna, Serrurier, Augereau. Le résultat ne se fait pas attendre. Les victoires se succèdent et Junot s'illustre par sa bravoure, notamment à Millésimo et à Lonato, où il est gravement blessé. Et il conservera cette belle blessure que l'on voyait sur sa tempe gauche. Mais ce n'était pas sa première blessure. Alors simple volontaire, en Allemagne, il avait reçu un coup de feu également à la tête et depuis sa blessure se rouvrait régulièrement. Berthier raconte qu'un jour, à Milan, chez les Bonaparte, il jouait au 21, assis à une table ronde, tournant le dos à la porte du cabinet de Bonaparte. Celui-ci sort de son cabinet sans être entendu de lui, et s'avançant doucement, il met sa main dans sa belle chevelure blonde et lui tire fortement les cheveux. Junot ne peut retenir un demi-cri, tant la douleur fut violente pour lui. Il sourit, mais son visage devint pâle comme celui d'un mort, puis d'une rougeur effrayante. Bonaparte retira sa main. Elle était pleine de sang. En Italie, Junot se trouva à toutes les belles journées d'Arcole, de Lodi, de Castiglione, etc. Il servit son général avec toute l'activité que l'on pouvait attendre d'un attachement comme le sien. Promu colonel, il est chargé par Bonaparte de porter au directoire les drapeaux pris à l'ennemi. Bientôt, Bonaparte se rend maître d'une grande partie des territoires de l'Italie du Nord. Les 5 années directoriales de la France, 1795-1799, furent marquées par la volonté de terminer la Révolution et caractérisées par celle de stabiliser les institutions de la République. De cette période, au cours de laquelle se succèdent des tentatives de toutes sortes pour consolider et enraciner le régime républicain, se dégage dans le pays une impression de vide, de langueur, comme s'il ne se passait plus rien et qu'après les espoirs révolutionnaires, ce n'était plus que déconvenue, déception sur fond de désordre politique et dépravation des mœurs. Alors, et Bonaparte, de retour de sa glorieuse campagne d'Italie, le compris le premier, il fallait, pour se redresser et aller de l'avant, faire appel au dieu Mars, faire appel à la guerre. D'une position défensive qui avait été celle de la République pour pouvoir survivre, en combattant les innombrables adversaires européens de la République, à commencer par l'Autriche, il fallait s'orienter, à présent, vers la recherche offensive des frontières naturelles du pays pour s'engager ensuite dans une guerre de conquête autorisant les militaires à intervenir dans la vie politique et à sortir la France de sa torpeur. Cette politique de conquête, souhaitée par Bonaparte, fut engagée par le ministre des Affaires étrangères du moment, Talleyrand. À son retour d'Italie, Napoléon ne prit guère le temps de souffler. Très rapidement, il reprit son rêve oriental. J'évoquais précédemment la politique de conquête souhaitée par Bonaparte et qui fut engagée par le ministre des Affaires étrangères du moment, Talleyrand. Elle sous-entendait qu'il fallait s'opposer énergiquement à notre vieille rivale, l'Angleterre. Profitant du fait que l'Empire turc semblait moribond, Talleyrand
avait lu, le 3 juillet 1797, un mémoire devant les directeurs suggérant la conquête de l'Égypte qui ouvrirait la route de l'Orient. Le rêve oriental, caressé alors par Bonaparte, s'adaptait parfaitement à ce plan qui semblait avoir été élaboré pour lui, d'autant plus qu'il ne voyait plus alors de possibilités intéressantes pour lui en Italie et qu'il refusait l'aventure d'un débarquement aléatoire en Angleterre envisagé par certains. Comme, par ailleurs, les directeurs n'étaient pas mécontents de se débarrasser de ce bouillon général trop populaire à leur goût, l'expédition fut donc décidée en mars 1798 et elle satisfaisait donc tout le monde. Bien entendu, Junot en faisait partie. Durant la campagne d'Italie, Junot se lie d'amitié avec plusieurs officiers de l'entourage de Napoléon, et notamment avec Berthier, qui deviendra, au fil des années, l'ombre de Napoléon. « Je ne connais pas chez moi la limite du travail, » disait Napoléon. Et il voulait que tous ses collaborateurs soient construits comme lui. On connaît l'histoire de Daru, qui était pourtant, selon Napoléon lui-même, un bœuf pour le travail. Lors d'une séance de nuit au Conseil d'État, il s'endormit sur ses papiers, dans l'arrière-cabinet. Napoléon le réveilla en le bousculant. Et Daru tenta de s'excuser en signalant qu'il avait déjà passé 3 nuits au travail. On prêta alors ce mot à Napoléon. « Un homme que je fais ministre ne doit plus pouvoir pisser au bout de 4 ans !» Avec Berthier, aucun problème de ce genre. Il possédait la même prodigieuse puissance de travail, l'insensibilité à la fatigue de Napoléon. Il pouvait passer 13 jours à cheval ou assis à un bureau à travailler sur ses dossiers sans se coucher. Et quand il se couchait, l'empereur l'appelait fréquemment, 17 fois en une nuit, à Varsovie. Et il apparaissait toujours correct, agrafé, boutonné en hâte, immuablement discipliné. Le repos du guerrier, ce n'était jamais pour lui. Il était toujours sur la brèche. Ce n'était pas tout à fait le cas de Junot, malgré son dévouement à Napoléon. Certes, il possédait, comme lui, une puissance de travail peu commune, et durant les campagnes, ne se ménageait pas, et ne faut pas oublier que c'est sa belle conduite pendant le siège de Toulon qui le fit remarquer par Bonaparte. Mais en dehors des batailles, il aimait profiter de la vie et, la nuit, il partait souvent en goguette où, s'il était dans son lit, il dormait d'un sommeil de plomb et il fallait que le canon sonne pour qu'il se réveillât. Pendant l'expédition d'Égypte, les officiers ne se privent pas de jaser sur le nouvel Antinous du nouvel Adrien. Et les soldats voyaient en Junot le chouchou à qui tout est permis. Et certains s'indignèrent même que Bonaparte laisse son favori piller les trésors des pharaons. Fausse accusation d'ailleurs. Junot « semble lui tenir lieu de tout », rapportera Barras avec ironie en 1799, lorsqu'il reçut Napoléon chez lui à Paris. « Il lui tient même lieu de valet de chambre, car il en remplit tout à fait l'office. » Quand ils vinrent au Luxembourg, Junot soutenait son maître descendant de voiture. Il l'aide quand il monte l'escalier, il lui ôte sa redingote que quand il entre, la lui remet quand il sort. En Égypte, durant toute la campagne, la liaison étroite entre les deux hommes était de notoriété publique.
une peinture de Gros a immortalisé un des nombreux exploits de Junot en ce temps-là, celui où, chargeant avec 300 de ses hommes, il anéantit les forts de 10 000 Turcs et abattit de sa propre main le fils de Mourad Bey. Malgré les 600 lieues qui les séparaient, Bonaparte nourrissait toujours pour Joséphine une ardente passion. Et tout naturellement, il parlait à Junot de son bouillant amour. Junot, qui, on l'a vu, voyait en Joséphine une rivale qui lui avait volé le cœur de son général bien-aimé. Or, Junot avait reçu des nouvelles de France. Et quelles nouvelles ! Tout Paris riait des amours affichées de Joséphine avec un certain Hippolyte Charles. Elle ne le quittait plus, disait-on, allant avec lui au théâtre, partageant la même loge, la même voiture et peut-être la même demeure. Indigné, ne suivant que son cœur, Junot, sans bien mesurer sans doute l'étendue du désespoir qu'il allait provoquer, décida de tout raconter à Bonaparte un jour où ils se promenaient ensemble et que Bonaparte épanchait sa mélancolie. Déchiré entre deux sentiments, la passivité et l'éclat de la vérité, son choix ne pouvait qu'aller vers l'honneur de son ami. Le silence eût été à ses yeux la plus abominable des trahisons. Bourrienne, témoin de cette scène, la relate ainsi. Je vis ce jour Bonaparte se promener seul avec Junot, comme cela lui arrivait assez souvent. La figure, toujours très pâle du général, était devenue, sans que j'en puisse deviner la cause, plus pâle que de coutume. Il y avait quelque chose de convulsif et d'égaré dans son regard, et plusieurs fois il se frappa la tête. Après un quart d'heure de conversation, il quitta Junot et revient vers moi. Je ne lui avais jamais vu l'air aussi mécontent, aussi préoccupé. Je m'avançai à sa rencontre, et dès que nous fûmes rejoints, « Vous ne m'êtes point attaché !» me dit-il d'un ton brusque. « Les femmes, Joséphine, si vous m'étiez attaché, vous m'auriez informé de tout ce que je viens d'apprendre par Junot. Voilà un véritable ami !»« Joséphine, et je suis à 100 lieues. Vous deviez me le dire !» Joséphine, Joséphine, m'avoir ainsi trompé. Elle, malheur à eux, j'exterminerai cette race de freluquets et de blondins. Quant à elle, le divorce, oui, le divorce public, éclatant. Il faut que je l'écrive, je sais tout. Oh, c'est votre faute, vous deviez me le dire. Si Joséphine est coupable, il faut que le divorce m'en sépare à jamais. Je ne veux pas être la risée de tous les inutiles de Paris. Ah, ah, je vais écrire à Joseph. Il fera prononcer le divorce. Bourrienne essuya le courroux du général, tentant bien de se défendre, d'expliquer que les rumeurs parvenues jusqu'à Junot n'étaient qu'exagérées et perfides, mais sans réussir à le calmer. Bien entendu, il garda rancune à Junot. Quant à Bonaparte, il finira par s'apaiser. Ses liens avec Junot en ressortirent encore renforcés. « Sois sûr, Junot, que dans n'importe quelle circonstance, je te donnerai toujours des preuves de la tendre amitié que je t'ai vouée. » lui écrira-t-il quelque temps plus tard dans une lettre que Junot portera sur lui toute sa vie. Junot s'entendait bien de façon générale avec les officiers qui l'entouraient. Mais il ne supportait pas l'impétueux général François Lanus, qu'il trouvait dénué de tout sentiment.
Quelque temps après le combat de Nazareth en août 1799, au cours duquel il mit en déroute l'armée turque, Junot participait avec plusieurs officiers à un dîner organisé par Murat. Lannus commença à critiquer vivement et en termes crus la politique menée par Bonaparte. Junot, muet, sentit la colère battre ses tempes, et bientôt une violente altercation éclata entre les deux hommes. Elle se termina le lendemain par un duel au sabre, au bord du Nil, sur un terrain détrempé par des inondations. C'est sa dévotion totale pour Bonaparte qui l'avait poussé à provoquer Lannus en duel. Au cours de ce duel, en présence de Murat et de Bessières, Junot reçut un terrible revers de sabre qui le blessa gravement au ventre et il manqua de peu d'y laisser la vie. Quand Bonaparte apprit ce duel, il entra dans une vive colère. « Quoi ? Ils vont s'égorger entre eux ! N'ont-ils pas assez des Arabes, de la peste et des Mamelouks ? Ce Junot, il mériterait les arrêts pendant un mois !» Pendant plusieurs jours, Junot se morfond au lit, en attendant que sa plaie se cicatrisât, et espère la visite de celui pour lequel il s'était battu. Mais Bonaparte refusait d'aller le voir, tout en avouant « Mon pauvre Junot, blessé pour moi. Aussi, imbécile, pourquoi au moins ne s'est-il pas battu au pistolet ?» L'adresse de Junot au pistolet était en effet célèbre. Le 22 août 1799, Bonaparte, à la surprise générale, quitte l'Égypte, abandonnant sa conquête pour foncer en France, où il sent qu'il a une carte majeure à jouer. Il écrit à Junot, le 26 août, une lettre qui est presque un hommage. « Je quitte l'Égypte, mon cher Junot. Tu te trouves trop éloigné du lieu d'embarquement pour que j'aie pu t'emmener avec moi. Mais je laisse l'ordre à Kléber de te faire partir dans le courant d'octobre. Enfin, dans quelque lieu, dans quelque position que je me trouve, sois sûr que je te donnerai des preuves positives de la tendre amitié que je t'ai vouée. » Dès qu'il lut cette lettre, Junot n'a plus qu'une idée en tête, quitter le pays et rejoindre au plus vite son mentor. C'est encore convalescent qu'en octobre, il s'embarque sur un navire, destination la France. En novembre, Bonaparte, devenu premier consul, continue à lui manifester son attachement. « Je vais te nommer au commandement de Paris. » C'est une place de confiance, mais il faut que tu te maries. Cela est plus convenable pour la dignité de la place que tu vas occuper. Mais lors de la traversée, Junot est fait prisonnier par les Anglais. Lorsqu'il monte à bord du Théséus, le navire anglais, il est accueilli avec un large sourire par le capitaine Stiles. « Nous vous attendions, cher ami. » Il n'est pas sûr qu'il apprécia beaucoup ce trait d'humour. Il ne sera finalement libéré qu'en juin 1800, le jour même de la bataille de Marengo et de la mort de Desaix, ainsi que de l'assassinat de Kléber, auquel Bonaparte avait confié l'Égypte. Après la bataille de Marengo, au cours de l'été 1800, Berthier fut chargé par Bonaparte d'une mission très importante à Madrid. Il s'agissait pour lui de convaincre l'Espagne à s'engager contre le Portugal, allié de l'Angleterre, qui disposait de bases navales. Il n'était alors pas très bien portant, et Junot était son confident. Berthier lui faisait entière confiance et ne lui cachait rien de ses doutes et de ses souhaits, comme en témoigne une lettre qu'il lui adressa le 15 septembre, quelques jours après son arrivée à Madrid, et qui se termine ainsi.
Ah, mon cher Junot, il me tarde bien d'être de retour près de vous tous. Je n'aime pas l'Espagne. Dis, je te prie, à la signorita Pepina, Giuseppa Visconti, qui fut la grande passion de sa vie, dis à la signorita Pepita que toutes mes pensées vont vers elle. Je lui ai écrit par le dernier courrier que j'ai envoyé. Mais je suis toujours heureux de lui répéter que je suis son esclave. Et peut-être me croira-t-elle mieux quand la bouche d'un ami le lui répétera pour moi. Adieu, mon cher Junot. Adieu, mon cher ami. Dis, je t'en prie, au premier consul, que tu sais que je suis malade et qu'il ne doit pas me laisser plus longtemps ici. J'ai beau savoir que ma mission n'est que temporaire, je frémis de songer seulement à la possibilité d'y rester 3 mois. Adieu, mon ami. Salut et amitié. Sa mission, comme il l'espérait ardemment, fut courte et apparemment une réussite. Mais il retrouvera l'Espagne quelques années plus tard. Tandis que Berthier était en Espagne, Junot, lui, était à Paris. Il avait été nommé gouverneur de Paris à la fin du mois de juillet, comme le lui avait promis Bonaparte. Mais il n'est pas parfaitement heureux. Car, en dépit de son poste, il ne parvient pas pour autant à être aux côtés de lui comme il espérait. Et il a même souvent des difficultés pour le rencontrer, car le premier consul est un homme très occupé. Et il se prépare, dit-on, à franchir une nouvelle étape de sa prodigieuse ascension. Par ailleurs, Bonaparte prit conscience, alors qu'il avait brisé le cœur de celle qui fut son premier grand amour, Désirée Clary, la petite Marseillaise, fille d'un négociant en vin, qui sera ensuite fabricant et marchand de soie et de savon. Il avait abandonné en 1796 pour épouser Joséphine de Beauharnais. Il décida donc de réparer, en quelque sorte, son attitude indigne en la mariant, et de surcroît en la bien mariant. Il lui fit présenter alors plusieurs prétendants, dont Junot. Comme il songeait aussi à marier son fougueux ami, qui lui aussi avait été fortement perturbé par son mariage avec Joséphine, et pensait pouvoir faire d'une pierre 2 coups. Désiré oublierait ainsi sa peine de cœur dans les bras de Junot. Quant à lui, il pourrait enfin s'assagir et trouver son équilibre. Mais Désiré refusa poliment ce garçon charmant, mais à la vie trop dissolu. Désiré Clary épousera plus tard le général Bernadotte et connut la plus incroyable destinée, puisque la petite Marseillaise deviendra reine de Suède. Bonaparte, mécontent de cet échec, abandonna alors sa tâche de marieur et il revint vers des occupations pour lesquelles il était visiblement plus doué, semble-t-il, comme la politique et la guerre. De son côté, Junot profite de sa bonne fortune depuis son retour en France, et tout d'abord, il se console du peu de temps que lui consacre Napoléon en multipliant les maîtresses. Parmi celles-ci figure Laure Permon, Laurette pour les intimes, qui avait 10 ans de moins que lui et qu'il avait connue en mai 1800. Cette charmante montpelliéraine, une brune un peu palote, mais à la superbe chevelure et à la peau nacrée, prétendait descendre des Comnène, empereurs de Byzance. Sa mère avait été en Corse l'amie de Letizia Bonaparte. Elle eut l'art de plaire à Junot, et il l'épousera le 30 octobre 1800, ce qui déplut à Napoléon, qui pourtant souhaitait ardemment, comme on l'a vu, que Junot se marie. « C'est un fort mauvais mariage que tu fais là !» lui écrit-il cyniquement. « Il n'y a pas de fortune !» Pourtant, assez vite, il sembla l'apprécier. La petite Laurette.
Il aimait sa spontanéité. Il aimait aussi sa répartie prompte. Mais il conservait une certaine méfiance envers elle. « Madame Junot, lui dit-il quelques jours après le mariage, « maintenant que vous faites partie de la famille de mon état-major, j'espère que vous écouterez mes avis. Rappelez-vous que vous devez tout voir, tout entendre et tout oublier. Faites graver cette devise sur un cachet. » Laure vit, entendit et n'oublia rien. Comme on peut le constater en lisant ses mémoires, mémoires ou souvenirs historiques sur Napoléon Ier, qu'elle rédigea bien plus tard et fera paraître dans les années 1830 sous le nom de Duchesse d'Abrantès, des mémoires dans lesquelles, d'après moi, l'on respire le mieux l'atmosphère de l'Empire. Bonaparte lui donna 140 000 francs or comme dot et offrit au couple un charmant hôtel particulier aux Champs-Élysées, à l'occasion de la naissance de leur fille, Letizia. Napoléon restera toujours indulgent et très généreux avec son ami de jeunesse, comme le prouvent les innombrables cadeaux qu'il offre au jeune couple. Le ménage part d'un bon pied. Mais très vite, Junot néglige sa jeune épouse. Par ailleurs, la légèreté et l'incompétence du trop jeune gouverneur de Paris indisposent de plus en plus le premier consul qui, lors d'une fête, lui témoigne sa froideur. Junot rentre alors précipitamment dans son hôtel des Champs-Élysées. Saisi de fièvre, il délire toute la nuit et se lamente à haute voix dans son délire. « Il ne m'aime plus !» Il a complètement oublié notre jeunesse. Madame Junot, atterrée, ose alors aller déranger Bonaparte. Celui-ci, alarmé par le tableau que lui dresse Laure, se précipite, tout à fait retenante, auprès de son ami, l'embrasse, le console et parvient à le rétablir. Cette scène étonnante ne se renouvellera pas. Napoléon, en effet, commence à se lasser de cet amour fou que lui porte Junot. Car, loin de se calmer, Junot, la tempête, poursuit Napoléon de ses assiduités. Mais celui qui devient, en mai 1804, Napoléon Ier, empereur des Français, reste de marbre. Dans un premier temps, car ensuite, il finira par en être irrité et s'en plaignit alors. Voyez les lettres d'amour que votre mari m'écrit et dites-moi s'il vous en envoie de pareilles. Par ailleurs, Junot a la terrible désillusion de constater que son nom ne figure pas sur la liste des maréchaux nouvellement promus par l'empereur. Berthier, qui lui a été nommé le tout premier maréchal d'Empire, lui conseille de ne pas brusquer les choses et qu'il ne tarderait pas à être récompensé pour dévouement et ses réussites militaires. Mais la patience n'est pas la qualité première de Junot et il commence à prêter une écoute malsaine à certaines médisances qui prétendent que son mérite n'est pas reconnu. Incapable de discernement et d'appréciation, il étale maladroitement son mécontentement au grand jour, ce qui ne plaît guère à Napoléon. Les semaines suivantes, Junot devient de plus en plus ombrageux, et comme pour exorciser son mal-être, il recommence à collectionner les maîtresses, comme avant son mariage. Parmi celles-ci, il y eut même Caroline, la propre sœur de Napoléon, future princesse Murat et reine de Naples. La ressemblance avec son frère était frappante, ce qui explique sans doute l'amour ardent qu'elle lui inspira. Un psychanalyste de nos jours l'aurait appelé un transfert.
Ses frasques et sa relation avec Caroline lui coûteront un exil au Portugal. Oh, on ne peut pas tout de même tout accepter. Napoléon le nomme donc ambassadeur au Portugal en mars 1805. Quelques mois plus tard, en novembre 1805, apprenant que la grande armée est en campagne, Junot quitte aussitôt son poste et rejoint l'empereur où il va essayer de regagner ses bonnes grâces. Il ne le quitte plus une seconde, s'efforçant de se rendre indispensable. Plein de sollicitude, il fait tout pour lui éviter toute contrariété. Il en arrive même à expurger dans les commentaires ou les rapports tout ce qui pourrait le mécontenter ou le blesser. Cet excès de précaution et de prévenance agace de plus en plus Napoléon, qui n'est pas dupe des efforts prodigués par Junot pour le ménager, voire le protéger, quitte à lui présenter un tableau contrefait de la situation. Voici une scène qui se déroula avant la bataille d'Austerlitz en décembre 1805. Junot parlait devant l'empereur de l'ardeur manifeste de l'armée, ce qui ne pouvait que lui plaire, mais en se gardant bien d'évoquer la lassitude des soldats. Le général Georges Mouton, aide de camp de l'empereur, habituellement plutôt timide vis-à-vis de ses supérieurs, l'interrompit alors. « Ces acclamations prouvent le contraire !» Il ne faut pas s'y tromper. L'armée est fatiguée. Elle en a assez. Elle ne montre tant d'ardeur à la veille de la bataille que dans l'espoir d'en finir le lendemain et de s'en retourner chez elle. À ces propos irritèrent Junot, qui s'apprêtait à répliquer, mais Napoléon approuva son aide de camp, homme bon, loyal, honnête, et qui manifestait toujours le plus grand sang-froid au feu. « Vous avez raison, Mouton. Mais en attendant, allons nous battre. » La bataille d'Austerlitz fut l'une des plus emblématiques de Napoléon et l'un des exemples les plus parfaits de sa tactique militaire. Songeant sans doute aux propos de Mouton, l'empereur acclama ses grognards au soir des combats. « Soldats ! Je suis content de vous. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. » L'histoire a retenu l'éloge qu'il adressa à son aide de camp, quelques années plus tard, en récompense à son courage. « Mon mouton est un lion !» De retour à Paris, après avoir participé vaillamment à la bataille d'Austerlitz du 2 décembre, Junot va commettre une autre bévue en intervenant auprès de l'empereur pour obtenir un prêt au banquier Jacques Rose Récamier, dont l'épouse tenait un salon où se retrouvaient tous ceux qu'il y avait alors d'opposants à l'Empire. En réponse, Napoléon l'expédie à Parme comme gouverneur afin de réprimer une insurrection. Il y remplace Moreau de Saint-Méry. Junot n'apprécie guère ce nouvel exil, mais il s'acquitte avec brio de sa mission et, à sa grande surprise, il retrouve à son retour à Paris, le 19 juillet 1806, son poste de gouverneur de la capitale. L'empereur lui a pardonné une nouvelle fois, mais il espère en retour un changement de comportement de sa part, plus d'extravagance et pas pour autant de zèle excessif. Pourtant, malheureusement, Junot, décidément incorrigible, trouve le moyen, une fois encore, de provoquer la colère de l'empereur par son train de vie trop fastueux et ses innombrables frasques. Napoléon est découragé. Il ne sait plus que faire. L'affection qu'il porte à Junot est encore mise rudement à l'épreuve. Une fois cependant,
Il est bien décidé de faire taire ses sentiments. Et donc, cette fois, à le sommet, les yeux dans les yeux, de changer. Mais dès qu'il se trouve en face de lui, son cœur bat plus fort. La tendresse prend le pas sur la colère. Il oublie ses menaces et la conversation qui suit se borne à des banalités. Alors, une fois encore, il choisit de l'éloigner de lui. À ce moment-là, l'aventure espagnole commençait. Elle résultait de l'application du blocus continental contre l'Angleterre décrété en 1806. Comme le Portugal n'appliquait pas le blocus, Berthier reçut l'ordre de Napoléon de mettre sur pied une armée de 20 000 hommes en partance pour le Portugal et commandée par Junot. Bis repetita placent. C'est de nouveau l'exil pour Junot la tempête. Le moins que l'on puisse dire est que Junot est courroucé à la seule idée de quitter Paris, sa vie mondaine et tous ses plaisirs, même s'il se réjouissait de retrouver son ami Berthier. Et par ailleurs, cette expédition devait être une promenade militaire. Il fait donc contre eux mauvaise fortune bon cœur. Après tout, on devrait être très vite de retour à la maison. Or, l'armée, composée essentiellement de jeunes conscrits, souffrit très rapidement du manque de confort et de vivres durant cette campagne. La lâcheté du gouvernement portugais, qui aussitôt prit la fuite au Brésil, explique en partie le succès de Junot malgré tous ses avatars. Au Portugal, Junot ne s'assagit pas. Il multiplie les conquêtes féminines. Il aurait séduit à la fois Madame Trousset, femme d'un ordonnateur, et Madame Foy, l'épouse du général Foy, une Amazone remarquable qui se montrait sur le front des troupes en compagnie de Junot, si bien que l'on disait dans l'armée quand Junot apparaissait « Voici Junot, Trousset, Foy !» Nous sommes en octobre 1807. Toujours aussi vaillant au combat, Junot s'empare de Lisbonne et il est nommé duc d'Abrantès et gouverneur du Portugal. C'est une reconnaissance de la part de l'empereur qui lui fait chaud au cœur. En 1808, il participe à la campagne d'Autriche avec la Grande Armée. Mais bientôt, rien ne va plus pour lui. Les déconvenues se multiplient et il a le sentiment qu'il n'est plus apprécié, mais plus du tout apprécié par Napoléon. Sans doute celui-ci s'est-il lassé de ce compagnon fidèle, mais trop fantasque et imprévisible. À force de tirer sur la corde, elle finit par rompre. Junot est désespéré et s'en veut d'avoir tout gâché par son comportement. En 1810, en Espagne, sur les ordres de Masséna, il est grièvement blessé et battu par Wellington. En 1811, il est de nouveau blessé d'une balle à la tête au cours de la bataille de Rio Mayor. À partir de 1813, conséquence probable de ses blessures successives à la tête, il souffre de troubles psychiques graves. Et lors de la campagne de Russie, il commence à se faire remarquer par ses incohérences. À Sainte-Hélène, Napoléon rapportera à Lascaz. « Junot, dans la campagne de Russie, me mécontenta fort par ses folies. On ne le reconnaissait plus. Il fit des fautes capitales qui nous coûtèrent bien cher. » Durant cette désastreuse campagne, il écrivit de nombreuses lettres à l'empereur, notamment ce billet qui a été conservé.
Moi qui vous aime avec l'adoration d'un sauvage pour le soleil, moi qui me suis donné tout à vous, je vous supplie de me laisser revenir en France, parmi mes enfants. Assez d'horreurs et de massacres, assez, je ne veux plus faire la guerre. À son retour de Russie, écrit son épouse, je le retrouvais non seulement changé, mais changé d'une manière alarmante. Il portait en lui une destruction morale. Il avait d'étranges moments d'inquiète souffrance. Il pleurait, lui si fort, si maître de soi. Il pleurait comme un enfant. Il est évident que ses hésitations et ses lenteurs dans l'exécution de certains ordres de l'empereur et son comportement incohérent manquèrent de compromettre la marche sur Moscou, tellement que Napoléon, en février 1813, se vit contraint de reléguer son intrépide compagnon du siège de Toulon dans le gouvernement des provinces illyriennes, actuelles Slovénie et Croatie. Ces disgrâces successives, à la suite de batailles perdues, désespèrent Junot. Il essaie en vain de rencontrer l'empereur. Désemparé, il écrit. Il ne m'aime plus. Il a oublié notre jeunesse. Et à Napoléon. Ingrat, tu m'as oublié. Tu ne m'aimes plus. Une autre fois, alors. C'est épouvantable. Il ne m'aime plus, moi qui lui a consacré ma vie. Sa détresse extrême et son immense chagrin, conjugués à ses multiples blessures, contribueront à le conduire peu à peu, irrémédiablement, vers la folie. Avant de partir pour les provinces illyriennes, il fait jurer à sa femme que, s'il meurt, elle brûlera sans les lire les 152 lettres manuscrites de Napoléon enfermées dans un coffre-fort à secret. Le 25 mai, il s'installe à Trieste. Presque aussitôt, il est frappé d'une congestion cérébrale, mais semble s'en remettre. Mais ses crises de démence se multiplient au cours des mois suivants. Un jour, il entre dans un cabaret, fait dresser une table de 12 couverts, et sentant le froid l'envahir, il commande qu'on lui enveloppe les jambes de paille. Puis il se met à chanter à tue-tête. Après quoi, il mande le lieutenant de gendarmerie du coin et lui ordonne d'urgence, en lui désignant les gens qui l'entouraient, de les arrêter tous. Une autre fois, durant une réception à Raguse, dans les salons de son palais dans lesquels s'entassent les autorités militaires et religieuses. Il se fait longtemps attendre, et quand l'huissier ouvre de battant les portes de ses appartements particuliers, pour annoncer « Monseigneur le duc d'Abrantès, gouverneur général et lieutenant de sa majesté l'empereur et roi !» Il paraît, canté de blanc, frisé au fer, chaussé d'escarpins vernis, avec au cou ses ordres de diamants, son immense chapeau à plumes sous un bras, son sabre dans l'autre, et entièrement nu. Sa folie atteindra son apogée le 6 juillet de la même année, comme il se rendait à Venise. À l'amiral anglais qui croise son escadre en mer Adriatique, il adresse une lettre insensée pour demander la paix. Une autre à Napoléon, dans le même sens, et une troisième au prince Eugène, alors vice-roi d'Italie. « Je vous fais de mon autorité privée, écrit-il à Eugène, roi depuis l'Adige jusqu'à Cattaro, je vous donne une île dans l'Adriatique, une dans la mer Noire, une dans la mer Rouge, une dans la mer Méditerranée, une dans l'océan, une dans l'Inde. » Et distribuant 16 parts de mines d'or, il en accorde 4 au grand Napoléon.
Le docteur Gobi, premier médecin civil de Trieste, appelé à l'aide le 26 juin 1813, constate. Son Excellence éprouve un violent paroxysme accompagné de symptômes les plus alarmants, tels que face rouge et animée, impossibilité de parler, immobilité de la jambe et du bras droit, torsion momentanée de la bouche. Il s'agissait d'une hémiplégie droite avec aphasie. Napoléon, aussitôt prévenu, le fait rapatrier en France, mais lui interdit de rentrer à Paris. Il ne veut surtout pas le revoir, comme s'il craignait de ne pas supporter de le voir dans un piteux état. Il le fait rapatrier directement, d'urgence et incognito, chez son père, à Montbard, où il arrive le 22 juillet. Bien que visiblement complètement désorienté, il reconnaît son père, ainsi que sa sœur. Mais, au bout de quelques minutes, il lui déclare d'un ton très sérieux « Savez-vous, père, que je suis un oiseau et que je vole à mon gré dans les airs ?» À peine prononcé cette phrase, qu'il saute par la fenêtre ouverte. La chute est brutale. Mais il se relève et court jusqu'au bout du jardin, monte sur un mur, tombe et se casse la jambe gauche au-dessus de la cheville et se transperce la main droite sur la pointe d'une grille. On le ramasse immédiatement, on le couche et on le soigne. Mais il arrache ses bandages avec frénésie, s'enferme à clé dans la cuisine et avec un couteau de table entreprend de couper sa jambe fracturée. Sa sœur parvient à le raisonner. Elle accepte de retourner dans son lit et à trouver le sommeil sous l'effet de drogue qu'on lui administre. Mais quelques heures plus tard, il est en proie à des hallucinations et pousse des hurlements affreux. Il réclame qu'on lui amène au plus vite, pieds et poings liés s'il le faut, son empereur, vénéré, qu'il a lâchement abandonné au milieu de ses ennemis. Laure rapporte que la nuit même de sa mort, le 29 juillet, il lui serait apparu à Genève, où elle se trouvait, marchant vers elle sur sa jambe brisée. Junot meurt, mutilé de ses propres mains, dira plus tard Napoléon, en réalité emporté par une septicémie venue de sa fracture ouverte dont il avait agrandi la plaie. Il avait 42 ans. L'empereur, qui était alors à Dresde et avait déjà choisi Fouché pour remplacer son ancien compagnon, aurait dit d'une voix altérée en apprenant son décès « Voilà encore un de mes braves de moins !» C'est Savary, duc de Rovigo et ministre de la police, qui le premier lui apporta quelques détails sur les circonstances de la mort de la tempête. Le 7 août, depuis Dresde, où il se trouve toujours, il lui écrit. Je reçois votre lettre du 2 août. J'ai éprouvé une véritable peine de ce que vous m'avez écrit de ce pauvre Junot. Il avait perdu mon estime dans la dernière campagne, mais je n'ai pas pour cela cessé de lui être attaché. Aujourd'hui, il a recouvré cette estime, puisque je vois que sa pusillanimité était déjà l'effet de sa maladie. Dans cette même lettre, semble-t-il, Napoléon lui ordonne d'aller récupérer sur le champ ses lettres de jeunesse. Le ministre de la police se rend aussitôt chez la duchesse d'Abrantès, trouve le coffre-fort à secret, l'ouvre, compte les 152 lettres et les apporte à l'empereur, qui les brûla aussitôt lui-même. Était-elle donc à ce point compromettante pour lui? La question reste posée. À Sainte-Hélène, faisant montre d'une grande ingratitude, Napoléon dira à Bourgeot
Junot n'a été qu'un bravache, un féroce coureur de filles. Lapidaire résumé, qui ne reflétait pas du tout, je le crois, la pensée réelle de Napoléon. Telle fut donc, brièvement résumée, la vie singulière et périlleuse de Junot. Ce personnage singulier et attachant par bien des aspects, ce brave des braves, au cœur trop volage sans doute, endosse Junot, l'homme qui aima trop Napoléon. Je vous remercie.